Coucou, ça va? Ça va? Bon, c'est important. C'est important que ça aille bien. Moi, on verra plus tard. On verra plus tard. Je reviens pour vous faire. Un haul Temu. Voilà, j'ai plein de choses à vous montrer, plein de choses aussi belles, plus belles les unes que les autres. Et je mets tout sur mon bureau et on va pouvoir découvrir ça ensemble. Il y a des choses que j'ai déjà découvertes, que j'ai même déjà utilisées. Ouais, j'ai utilisé les petits stickers, mais bon, c'est pas grave. Donc, hop, je vide ça, je le mets là. J'ai acheté. Ah oui, il y en a là-dedans aussi. Bah oui, j'ai refait en plusieurs fois. Allez, tout sur le bureau. On verra bien. Alors, il y a des choses que je ne vais pas vous montrer en détail. Vous savez, certains sachets comme ça. Je ne vais pas vous les montrer. Ah, bah ça, c'est parti. Je ne vais pas vous les montrer en détail. Tout simplement parce que je vous les ai détaillés dans des shorts qui sont publiés, d'autres qui ne sont pas publiés. Et bah, il faudra surveiller un peu les shorts de temps en temps pour voir. Vous avez déjà vu, il me semble, les dragons. Voilà. Donc, j'ai acheté des stickers de dragons. Je vais vous en montrer un pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais en gros, c'est des magnifiques dragons. Mais vraiment, ils sont trop, trop beaux. Donc, j'ai pris ça. Il y en a avec des fleurs et tout. Enfin, ils sont réalistes, mais ils sont pas si réalistes que ça. Enfin, ils sont beaux. Enfin, moi, je les aime bien. La forme, ils sont suffisamment grands pour faire une belle créa. Donc, voilà. Comme d'hab, comme dans la plupart des hauls Temu, les liens, c'est difficile à mettre. Hein, en toute honnêteté, c'est vraiment difficile à mettre. Donc, ça, je vais mettre ça directement dans mon tiroir à stickers. J'en ai plein. Hein. Ouh, dans mon tiroir à stickers. Comme ça, c'est rangé direct. Je vous montre tous les stickers. Alors, il y a du sticker, il y a du pas sticker, il y a du... Il y a du tout. Il y a du tout. Hop. Voilà. Alors, ça aussi, ça, il y en a partout. Donc, ça aussi, je vous ai fait un short avec ça. C'était la seule chose que je pouvais vous faire quand ça n'allait pas. Hein. Un petit short, je mettais ça sur la table et tout. J'essayais quand même de m'avancer à faire des trucs. Donc ça, c'est tout plein de stickers. Il va falloir que je mette dans une boîte. Ouais, je trouve une boîte. Attendez, si j'en ai une boîte là-bas. Je reviens. Je suis pas perdue. Je suis là. On prend son temps. On n'est pas stressé. Les fameuses boîtes là qu'on achète des fois et qu'on n'utilise pas. Enfin, moi je sais que je stocke beaucoup mes boîtes, mes trucs de rangement, je les stocke pas mal, mais au final je les utilise pas forcément toujours. Donc là, c'est des choses sur tous les pays, même regardez, même Paris. Paris, non, il y a tout, il y a Rome, il y a machin, il y a des trucs asiatiques, il y a l'Angleterre, il y a ça. Bah voilà, bah bon. Ma truc, elle est remplie. Elle est remplie. Voilà. J'ai tous mes trucs des pays là-dedans. Parfait. Sur le côté, on rangera ça plus tard. Alors, toi, tu m'agaces là. Voilà. C'est un pot que j'ai en dessous qui se balade. Donc là, ce sont des petits stickers de lapin, des petits stickers de Bambi, ça vous les verrez en short, des petites poupettes version noire, des petites poupettes modernes rose et bleu, des très jolies poupettes roses comme ça, des un peu orangées, des roses de dos, des oranges, des Danton Abbey, des tasses à café, des théières, etc. Alors, ceux-là, ils m'ont été livrés dans une pochette comme ça. Des bleus, des rouges. Les rouges, ils me les ont livrés deux fois. Tant mieux, c'est ceux que j'aime bien. Des jaunes et des roses arc-en-ciel. Voilà, donc ça,
j'ai trop faire, je me les mets là. Il y avait des super promos là ces derniers temps, mais il y a toujours des promos en fait, il faut être toujours à l'affût. Il y a toujours des promos. Alors, niveau stickers, ça je vais les ranger aussi. Voilà. Ensuite, j'ai pris des choses pour Margot. Margot avait envie de se faire des bracelets. Donc, pour le coup, j'avais d'autres couleurs. Ah voilà, c'est là. Donc, pour le coup, pour faire une sorte de bracelet, voilà, ces trois couleurs-là, elles étaient parfaites. Ah bah tiens, je vais les mettre dans l'autre petite boîte, comme ça. Quoique, non, ça va pas être assez grand. Bon, c'est pas grave. Ça. Après, moi, je me suis dit, si éventuellement, elle me fait un petit truc, rajouter une petite perle dorée, c'est pas plus mal. Et je sais qu'en ce moment, elle aime... Alors, elle, l'hiver, c'est le marron, les couleurs naturelles de la forêt, etc. Mais là, elle a une ou deux petites tenues bleues et blanches, un petit peu, vous savez, comme la graisse et tout ça. Enfin, des très jolies. Je me suis dit, éventuellement, si elle veut se faire un petit truc blanc et bleu, ça sera pas mal. Donc, pour le coup, moi, je suis pas très calée pour commander les trucs. Donc, je sais pas, là, c'est du combien de millimètres. Ça va pas aller si ça c'est du 2 mm ça c'est du 2 mm les bleus c'est du 2 mm les dorés c'est du 3 mm les rouges c'est du 4 et les vertes c'est du 2 et les fils c'est du 0,8. J'y connais rien, j'ai pris un truc de fil comme ça. Après, j'en avais pris d'autres pour avoir différentes tailles. Ah ben, c'est du 0,8 aussi, ça. Bon, ça, c'est du 0,8. Et ça, c'est du 0,6. Je vous dis, je sais pas trop. Alors, j'ai pris, je sais pas trop. Par contre, j'ai pris ça. Je me dis, ça doit bien être pratique parce que des toutes petites perles comme ça, c'est pas évident. Donc, il y avait un lot d'aiguilles dans une fiole comme ça. Après on passera sur le bureau. Ce sont des grandes aiguilles, vous voyez. Hop, je sais pas où vous les mettre moi. Des grandes aiguilles comme ça, elles font comme ça, comme ça. Il y en a pas mal et je crois que c'est plus facile pour enfiler les perles que le bout du fil un peu mou, quoi, voilà. Donc c'est dans une petite un petit plumier comme ça et il y a deux fioles d'aiguilles. Voilà. Ah oui, puis il y avait ça, je vais remettre ça dedans, vous savez, pour passer le fil dans le chat de l'aiguille. Voilà. Alors vous savez que à mon anniversaire j'ai une bague, sauf que bah elle est trop grande. Voilà, je me la mets à ce doigt là parce qu'elle est trop grande, j'ai envie de la mettre. J'ai perdu un petit, je pense que j'ai perdu, je suis pas sûre. Enfin, en tout cas, j'ai dégonflé sur la balance, j'ai pas perdu de poids, mais j'ai un peu dégonflé. Et quand j'ai acheté cette bague-là, ici, ça a bougé un peu, ça allait. Après, je l'ai mis à celle-là. Bon, ça va. Mais le mieux, c'est ici, en fait, sur la main gauche. Bon. C'est pas l'endroit préféré pour moi de mettre des bagues, mais c'est où je la mets là, où je la mets pas. Donc, je la mets là. Ensuite, bon bah j'ai craqué ça éventuellement pour faire un petit bijou d'album. J'en fais jamais, mais pourquoi pas. Hein. Sur un album fraise ou quoi que ce soit. C'est des petites fraises version perle. Donc voilà. Ensuite, bah alors ça, je me le suis fait rembourser direct. Voilà. Ils m'ont envoyé un truc de stickers comme ça. Ça, c'était 78 centimes, mais ils m'ont remboursé direct. J'ai envoyé la photo. Tout fripé, donc bah non merci. Non merci monsieur Tému, c'était pas du tout protégé. Ça va à la poubelle. Ensuite, ouais, alors ça c'est pour l'été, hein. J'ai dû payer ça 1 euro, je sais même pas si j'ai payé ça 1 euro. Il y a, alors ça il faut les enlever quand on va dans l'eau, hein. Je sais pas combien il y en a, c'est des bracelets tout bête.
Moi, j'aime bien les en avoir plein l'été. Vous mettez une petite robe et tout, vous mettez des bracelets dorés. Ça fait vacances. Hop. Et ça, bronzé et tout, moi je kiffe. Voilà. Voilà. J'avais envie. Donc je me suis fait un petit plaisir. Bon, c'est pas de la. À mon avis, c'est pas de la qualité de fou, hein, mais ça fait son petit effet si on a envie d'avoir un petit plus. Là, il y a 1, 2, 3, 4 modèles, vous voyez. Moi ça me plaît. Moi ça me plaît. Bon, pas pour tout de suite. Hein, mais moi ça me plaît. Voilà. Oui, alors donc je parlais de bagues. Je suis passée du coq à l'âne. Et j'ai acheté ça. Ça coûtait soit 12 centimes, un truc comme ça. Pour mesurer sa taille de bague. Alors, je sais pas comment il mesure ça. Alors, bon. Oui, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous, en France, on mesure en 50 cm, 48 cm. Je sais pas trop. Je sais pas. J'ai mesuré, mais je sais pas à quoi ça correspond. Donc, j'irai me renseigner à quoi ça correspond. Voilà, voilà. Ensuite. Je le laisse là-dedans. Je mettrai ça dans la salle de bain avec les bijoux. Et puis, voilà. Ou dans ma... Ouais. Bon, bref. Là. Ça, j'ai eu ça via Shein. C'est une corbeille à fruits. Mais j'ai pensé éventuellement mettre mes washi dedans. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va basculer mon trépied là, ici je vais vous mettre là, comme ça vous verrez ici ce qui se passe. J'ai du papier, je vais vous montrer du papier aussi, et je vous montre tous mes washi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 bah là on voit bien là. 17 washi à vous montrer. Bon, moi ça me gêne pas hein. Si vous ça vous plaît pas, à peine de rester, et je vais vous montrer les papiers. Donc on bascule. Voilà, on est là. On est là, on est là. Donc, ce sont des papiers très vacances. Voilà, bord de mer, belle époque, machin. Il n'y a pas de recto verso. Les papiers font combien? Parce que vous allez me le demander peut-être. Ils font un peu plus que ma règle. Il doit faire, je sais pas moi, 20, 21,5, on va dire. Bon, allez, on va prendre une vraie mesure. Les papiers font 21. Voilà, 21. Sur... Ouais, bon, c'est la 14, quelque chose. C'est la forme, la dimension d'une demi-feuille à 4. Voilà. Donc ça, c'est très beau. Ça, c'est très joli. Ça, c'est un truc connu, mais je me rappelle plus ce que c'est. C'est pas en Italie, ça. Hop. Bah. Bien sûr, je suis mal calée. C'est quand même mieux. On recommence. Excusez-moi. Allez. Là, une petite terrasse. En bord de l'eau. Là, on voit de l'eau. Voilà. Là, ça dégage. Ensuite... Là, le bateau est trop beau. C'est que des choses un peu bord de mer, vous voyez. Je me téléporterai bien là-bas. Voilà. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que je ne vais pas partir en vacances à cet endroit-là. Hein. Parce que je sais que Margot fait son petit journal scrap, chose comme ça. Et des fois, elle me demande, t'as pas ci, t'as pas ça, etc. Et là, je me dis, par rapport à ces vacances, ces prochaines vacances, bah, ça pourrait peut-être... Il y aura peut-être des images qui pourraient lui convenir. Et franchement, vu le prix dérisoire que ça m'a coûté, c'est pas gênant. Voilà. Donc,
ces papiers là qui sont quand même très très beaux. Et des autres, en, à mon avis, ça doit être du 15-15. Alors, c'est tout un autre style, hein, ça. Ça, ça va m'aider aussi dans mes collages. Hein, ça. Donc, la couverture. Hop, bah, je vais... Ah non, il y en avait deux. Hop. Donc, une et deux. À chaque fois, il y en a deux. Et derrière, il n'y a rien. Hein. Donc là, c'est le château. Enfin, j'ai pas besoin de vous détailler plus que ça. Hein. Mais il y a un esprit un peu collage. Vous voyez, donc la mer. Alors ça, c'est assez spécial, on dirait de la peinture au couteau. C'est assez spécial, mais pour les collages, c'est peut-être pas mal. Vous voyez, là aussi, c'est un esprit collage. Collage en relief, mais bon, c'est tout plat. Hein. Voilà, là, c'est un petit peu esprit tableau naïf, vous voyez, avec les grosses étoiles de mer, la dentelle, la maison en fond. Ça, c'est très joli pour du collage. Deux pages. Ça, c'est original aussi. Pour le collage, je trouve que c'est bien. Ah. Voilà. Là. Je ne vais pas me répéter, hein. C'est assez futuriste hein, quand même avec toutes les planètes là qu'on voit dans le ciel. Mais bon. La mer là, elle est jolie. Et ça, c'est clairement pour le art journal, etc. C'est pas mal du tout. Et là. Ça c'est joli aussi. Donc voilà. Après, je pense qu'elle aimera mieux les autres papiers que ceux que je viens de vous présenter là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le machin truc. Hein. Il faut que je prenne escale arrière. Non, ça c'est pas blanc. Ben, on va prendre ça. Ça, je vais le pousser un peu plus. Ça, je vais le mettre là et comme ça je pourrais vous montrer mes washi. Donc il y en a déjà un grand, alors celui là c'est je crois mon préféré, il est beau, il est grand, il sent bon le sable chaud. Non, c'est pas ça. Alors je l'ai déjà regardé. Ah, un truc de colle. Alors déjà vous avez les personnages, elles sont superbes mais vraiment voilà, je sais pas comment vous dire, c'est beau, c'est très très beau. Les fleurs, elles sont magnifiques. En plus, elles sont assez différentes. Hein. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq. Elle est belle aussi, celle-là. Six, sept avec du bleu. Et là, on retrouve la première, non, même pas, huit. La couronne, là, c'est beau aussi. Regardez celle-là avec son chapeau. 9. Il y en a 9. On revient à la première là. Celle-là, elle est quand même magnifique. Les fleurs, elles sont magnifiques. Enfin, ce rouleau-là est vraiment une petite merveille. Et j'attrape tout. Hop. Voilà, je mets un petit bout de scotch. Ah non, il n'est pas ouvert mon scotch. Donc je mets un petit bout de washi. Ça tiendra ce que ça tiendra. Voilà, hop, premier dans ma boîte ici. Alors ceux-là sont, alors je vais mettre dans ce sens là, c'est dans l'esprit c'est du gâteau rouge hein. Voilà, clairement il y a pas mal de rouge, vous voyez là. Ouais, voilà, donc en jean, des t-shirts rouges, des petites phrases shopping, voilà, j'aime bien comment elles sont habillées, je trouve que c'est assez moderne. Les lunettes, ah bah voilà, bah on revient déjà à la première. Donc le papier fait, c'est ça, les baskets et tout. Enfin, moi j'aime bien, franchement j'aime beaucoup.
Donc on a ça. Petit bout de washi. Non, c'est pas la peine. Ensuite, est-ce que j'en avais ouvert un autre? Ben non. Donc on va ouvrir tous les autres. Oh, il y en a même un autre là. Alors je prends un peu comme ça vient. Hein. Il n'y a pas de préférence. J'ai pas trié selon les thèmes. Mais en général, il y en a qui viennent de même catégorie, vous voyez. Dans la même annonce. Des fois, vous avez plusieurs fois plusieurs modèles dans la même annonce. C'est ça que je veux vous dire. Donc lui, on va le remettre comme ça. Et là, ouais, c'est des. Oh, ils sont belles. C'est des personnages. Alors là, il y a un trait. Alors je me demande si ça recommence pas à chaque fois ici. Je sais pas si vous voyez bien, mais ils sont beaux. Hein. Donc le trait est ici. Oh, celle-ci avec son petit nounours là. Oh, avec un petit chat là. Ah oui, c'est sympa. Ils sont tous différentes ou quoi? Ah non, elle avec son petit nounours, elle était où? Ah non. Ah si, elle était là. Ok. Hop. Bon, celle-ci, il faut les découper soi-même. Hein. En plus, il y a des petites fleurs bleues partout. Franchement, c'est top. Ah ouais, c'est vraiment sympa. Puis les couleurs, elles sont belles comme ça, là. Rose et bleu, c'est joli comme tout. Allez, hop, je remballe. Bah, c'est pas forcément évident de vous montrer les washi, en fait. Enfin, les washi, les rouleaux comme ça. Donc là, encore un grand. Alors là, c'est un, oui, c'est un truc qui m'intriguait. C'est plein de stickers les uns sur les autres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a une façon d'ouvrir les rouleaux? Parce que moi, j'ai pas de façon et des fois, je galère. Comme vous pouvez le voir là. Si je m'occupe de l'étiquette, peut-être c'est à l'étiquette, non, même pas. Et puis si je prends une paire de ciseaux, j'ai peur de faire des bêtises. Bon bah hein, tant pis, on prend les ciseaux. Hop. Et là, alors ça, j'en ai jamais eu des comme ça. Bon, je crois que celle-ci, je crois que je l'ai abîmée. En même temps, c'est un peu de leur faute, hein, s'ils ne mettaient pas le scotch dessus. Ouais, bon bah tant pis, il n'y aura pas les pieds. Hein. Je vais pas y arriver. Voilà. Oh bah, ça se défait tout de suite. Hop. Alors, t'es où? Le début, il est où? Bon, ok, là il y a le scotch. Là. Voilà. Voilà. Toi, tu étais là. On va te remettre. Voilà. Donc ce sont des personnages comme ça, habillés en marron. Marron et jaune. Ah bah. Jusque là. Elle. Et elle, c'est la même. Donc, vous voyez, il y a un beau petit panel et c'est top parce que ça s'enlève tout seul. Ils sont prédécoupés, ceux-là, ça c'est top. Donc voilà, un petit bout de washi. Oui. Je vous ai dit que je prendrais mon temps, hein, donc. Hein. Voilà.
j'ai pas menti. Voilà, donc ça, ça va là aussi. Ensuite, dans le même esprit, je crois, mais plutôt dans les couleurs de l'arc-en-ciel, les dames licornes. Ah bah alors, elles m'ont l'air bien sympa celle-ci aussi. Alors, c'est chiant hein, ça quand même. Je suis en train d'en abîmer. Au-dessus et en dessous, merci bien. Ah, elles sont prédécoupées celles-là. Ça, c'est cool. Elles sont belles, c'est marrant. Avec leurs habits un peu couleur licorne, vous voyez. Oh, bah, elle, avec son pull bleu, voilà. Hop, c'est jusque-là. Hop, 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 hop. Je trouve que c'est pas mal, ça met de la couleur, ça met de la gaieté, c'est pas mal du tout. Hop. Un petit bout de hachi. Oh, vous n'êtes pas au bout de votre peine, hein, j'ai pas fini, on n'en est même pas à la moitié là. Hein. Courage, courage. Vous pouvez passer en rapide. Hein. Donc là, c'est dans un autre sens. Oui, non mais j'adore, vous avez compris que j'adore ces hachi. Ah, il me semble que ça fait un peu et un peu estival, il me semble. Hop. Oh là là. Ah, la pluie. Ah non, c'est une ombrelle. Bon, je vais les mettre comme ça, vous vous rendez compte. Donc là, c'est le petit short. Là, c'est l'ombrelle. La valise. Le château de sable. Bah, avant de réussir à faire un château de sable comme ça, hein, faut s'entraîner un peu. Appareil photo, la petite voiture. Et on reprend la première. Vous voyez. Très, très estival. Hein. Hop. Ensuite, j'arrive pas, ça m'agace. Là, ça m'a l'air vacances aussi, mais dans les tons bleus. Oh, magnifique, le bateau, il est trop beau. Bon, ça, faut les découper autour. Hein. Mais moi, j'y arrive maintenant. Plus ou moins bien, mais j'y arrive. Donc, nickel. Oh, le bateau est magnifique. Alors là, c'est clairement pour un départ... waouh, un départ en croisière, même. C'est très joli. Les ACC, je vais me régaler. Oui, c'est très joli. Hop. Encore un dans les tons bleus. Je me demande si c'est pas la même. On dirait que c'est la même. On va voir. Me serais-je plantée? Oui, mais ce serait planté. Ça m'étonnerait parce que je m'étonnerais. Enfin, ça m'étonnerait. Non, ça m'étonnerait pas que je me plante, mais ça peut m'arriver. Hein. Mais peut-être qu'ils m'en ont mis en plus comme ça. Bah oui, c'est le même. Ok. Bon bah c'est le même, hein. Je ne vais pas m'éterniser dessus.
Voilà. Ensuite, hop. Et j'arrive de mieux en... Oh, la tour est là, c'est des rues de Paris. Ah, cool. Bah, on est un peu chauvin quand même. Surtout là, il va y avoir les Jeux Olympiques. Même si ça va être un gros bordel, là. N'est-ce pas? Alors, nous avons... Ça, je sais pas ce que c'est. Là, il y a une rue de Paris avec la tour Eiffel au fond. Là, il y a la tour Eiffel... Ah, bah, il y a tous les pays, en fait. Parce que là, il y a Londres. La tour de Pise. Ça pourrait être une rue de Paris aussi, hein. Oh, ça aussi. Oh bah ok. Oh, ça va dans l'ensemble. Bon, ça va, franchement, ça va. Sympa, sympa. Elle est belle la rue là. J'aurais bien aimé un peu plus grande. La fille qui est jamais contente. Oh, il y a des sandales. des Birkenstock. Moi j'en ai pas des Birkenstock, c'est trop cher. 45 balles la paire de minimum. Hein. La paire de Birkenstock. Non merci. Mais en même temps, on doit être bien dedans. J'en ai vendu à mon travail. Mais bon, moi je trouve que c'est pas très joli. Déjà, j'aime pas trop les pieds. Alors en plus, dans des sandales comme ça, c'est encore pire. Mais on doit être quand même super à l'aise dedans. Vous en avez, vous? Des Birkenstock. Hop. Des sortes de sandales comme ça. Oh, elles sont belles. Hein. Elles sont belles. Ah, il y a même le poste de surveillance des sauveteurs. Ah, elles sont canon. Hein. Parasol et tout, là aussi, ça c'est cool. C'est cool. Hein. J'ai de quoi faire pour Milan. Hein. Hop, c'est pas fini encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je sais pas pourquoi ceux-là ils sont emballés différemment. Parce que surtout qu'il y a l'emballage extérieur et il y a aussi l'emballage intérieur. Ah, ça colle! Ça colle au doigt! Donc, l'ouverture. Oh, j'ai vu un petit bretzel. Hop. Donc, là, bah ouais, petit bretzel, latte, cappuccino. Oh, bah c'est clairement le thème café, là. La petite barista, là. Ah ouais, c'est cool, c'est doux, c'est cool. C'est parfait pour les ACC, ça. Parfait, parfait. Même si c'est presque un peu petit. Pour les ATC aussi. Hein. Ensuite, un dans les tons rouge-rose. Hop. Voilà. Celui-là, il m'a l'air beau. Hein. Enfin, ils sont tous beaux au final. La grosse valise rose. Je l'ai revendue, moi, ma grosse valise rose sur Vinted. Je l'ai revendue. On l'a donné main à la main. Hop. Allez, elles sont belles. Hein. Le casque et tout. Elles sont canon. En plus, il y en a de dos, là, comme j'aime bien. Celle-ci, avec sa grosse valise, elle me plaît beaucoup. Ah oui, c'est joli. Celles-ci, elles sont belles. J'aime bien les couleurs comme ça. Hop, on se retrouve avec un autre comme ça. Encore la tour Eiffel? Je comprends pas pourquoi j'en ai des fois deux du même. Peut-être ils se sont plantés. Peut-être c'est des cadeaux, je sais pas. Il me semble que c'est le même que tout à l'heure. Ouais, c'est ça, c'est la même que... Ben, je comprends pas.
Je ne comprends pas. C'est pas grave. C'est pas grave, hein. Collectionneuse comme nous sommes. Bon, au moins. Ça, c'est un peu de la forêt et tout. Qu'est-ce que ça fait comme emballage en plus, là, à chaque fois? Le plastique, vive la planète, quoi. Ah oui, ça, c'est les vacances. Vacances nature. L'avion. Les valises. Cette valise, là, est trop mignonne. Ça, c'est sympa comme tout. Ah ouais, elles sont belles aussi. Hein. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, encore trois. Vous allez tenir le coup. Vous avez tenu jusque-là. Donc, ici. Ici, ici. Ah bah alors. C'est pareil. C'est esprit vacances, je crois. Alors, ah, vacances safari. Ah, il est beau le sac à dos là. Ah, cool. C'est joli aussi, les petits mini feux de bois là. Les lunettes, elles sont cool. Les accessoires sont vraiment sympas, l'appareil photo et tout là. Ah oui, vraiment sympa aussi. Allez. On remballe. Et là, deux qui sont carrément plus enfantins. On va commencer par la rose. Allez. Oh, il y a du Vichy. J'adore. C'est du papier, plus papier washi, là, que papier transparent. On se calme. Ah ouais, elles sont choupettes. Elles sont choupettes. Avec leur petite robe et tout, oh, j'adore. Oh, j'aime trop, trop, trop. Ah ouais, elles sont trop mignonnes. Donc, il y a celle-ci. Version plutôt washi, on va dire. Ça me ramasse toutes les poubelles. Et celle-ci. Bon, c'était un haul en plusieurs commandes, hein, je vous rassure. J'ai pas fait, enfin, même si c'était qu'une commande, voilà, c'est pas la fin du monde. Voilà. Mais, ouais, non, j'ai fait ça en plusieurs fois. Quand il y a des trucs vraiment intéressants, voilà... Malheureusement, j'ai l'appli sur mon téléphone et bien souvent ben, y a des promos, des machins, donc forcément. Et puis des fois, vous arrivez à vous faire des réducs en achetant un truc, vous avez des réducs, ce qui permet de scinder votre commande en plusieurs pour vous faire vos propres promos. Enfin, c'est quand même bien foutu. Hein. Alors. Ça me paraît bien mignon tout ça aussi. Ouh. Voilà. Oh, bah, elle déjà un écureuil, donc c'est gagné d'avance. Hein. Elle a déjà. Oh, puis il y a des frais. Bon, alors celui-là. Petit chaperon rouge. Oh, alors elle est magnifique. Et elle. Oh, bah, toi, on va te voir bientôt sur une ATC. Une ACC, pardon. Oh oui. Oh oui. Oui, oui. C'est magnifique, très poétique, très joli, très doux. Ah, elle, voilà quoi. Voilà quoi. Eh bien, écoutez, on arrive au bout. Vous êtes arrivés jusqu'au bout. Je vous félicite de votre persévérance. Je ne vais pas vous reprendre face caméra. Hein. Je pense que vous m'avez assez vu et entendu. Je vous fais des gros bisous et regardez. Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai rangé
dans ma panière. Comme ça, je trouve que je les vois bien. Je vais rajouter les autres que j'ai. Et je trouve que ça me fait un petit rangement pour mes rouleaux. Pas mal du tout. Bon, j'ai deux doubles, mais c'est pas grave, ça sera utilisé. Et puis au pire, Margot va les utiliser. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et bravo d'être resté jusque-là. À plus.